I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself. Quand tu vas passer, on acclame très fort pour la Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer pour la famille? Est-ce qu'on peut l'acclamer? On acclame Dieu. On acclame Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer royalement? Oui. Dans les rois des rois fait son entrée, on acclame royalement. On acclame Dieu. Alléluia. Je vous en supplie, si vous êtes derrière, répondez devant afin que on puisse voir. Et qui sont derrière, s'il vous plaît, essayez un peu d'avancer devant. Je veux qu'on adore Dieu pendant quelques minutes. Je vous en supplie d'avancer un peu devant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Nous allons adorer Dieu. Merci. Yo, mama,
Dieu de gloire, Dieu de grâce, quand tu es au Père, tu ne demandes jamais la permission à personne. Il est écrit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis, tu es là. Seigneur, nous croyons que ta présence est là cet après-midi. Alléluia. Il est écrit dans l'air des Christiens, envoyez la parole, seule la parole à délivrer. Nous croyons que tu peux faire encore. Nous croyons que tu peux encore agir ces instants entre tes saintes mains. Seigneur, voici la raison pour laquelle toute la salle, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Merci Seigneur. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui, tu as bien fait de venir dans la maison de Père. Est-ce que tu peux les saluer, s'il vous plaît? Soyez gentils. Alléluia. Merci. Merci pour votre gentillesse. Je dirais merci à Yahweh pour le souffle de vie. Lui qui m'a prêté encore le souffle de vie de se mettre debout parmi vous pour apporter l'insigne de l'Éternel. Et je dirais un grand merci au l'ange de cette église, le pasteur Philippe Louzelba. Et merci pour la confiance. Et merci pour les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Que le bon Dieu vous bénisse. Et merci pour vous, vous avez disposé votre temps pour venir écouter l'insigne de l'Éternel. Amen. 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 Bien aimé, comme vous savez, notre grand thème s'intitule « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Hier, nous avons fait l'introduction de notre séminaire. Nous avons parlé. Notre texte de base se trouve dans le livre de Luc 4, chapitre 4, du verset 18. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour envoyer libre les opprimés. Alléluia. Bien-aimés, comme hier nous avons expliqué, ces textes, c'était pendant que Jésus il était sur la terre des hommes. Lorsqu'il était sur la synagogue en train de prêcher, et il tomba sur ces textes. Peut-être tu as déjà lu ça dans l'Ancien Testament, dans la version grecque. Là-bas, il est écrit dans le livre de Ésaïe 61, du verset 1 jusqu'à 2. Amen. Mais Jésus cita cette partie de ces textes lorsqu'il s'adressa parmi ses concitoyens dans la synagogue et il arrêta pour parler de sa mission sur la terre. Alléluia. Amen. Il voulait expliquer pourquoi il était venu sur la terre des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il s'arrêta pendant qu'il faisait sa lecture pour expliquer sa mission, pour expliquer le dessein de Dieu pour lui. La première chose que Jésus disait, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux faibles, aux affligés. Alléluia. Amen. Et le deuxième, il parlait de la guérison à ceux qui avaient le cœur brisé, à ceux qui étaient malades physiquement et spirituellement. Et il parlait encore de la libération de lien ou du mal, des proclamations de la délivrance du péché et de la puissance satanique. Amen. Amen. Et il parla de la recouvrement de la vie spirituelle pour le perdu, afin qu'il puisse voir encore la lumière de l'évangile et être sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le premier point, Dieu crée tout pour une but. Dieu crée tout pour un but. Jésus par là expliqua pourquoi il était venu sur la terre des hommes. Dieu fait chaque chose à son temps parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Alors quand il commence quelque chose, il met aussi des moyens pour terminer ce qu'il lui a commencé. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu sur la terre, il dit,
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer la délivrance aux captifs. Parce qu'il savait qu'il devait expliquer, montrer aux gens son rôle. Il savait qu'en lui, il avait l'onction de Dieu. Il savait qu'en lui, il était équipé. Il savait qu'en lui, il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Jusqu'à ce que quelqu'un comprenne. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a oué. Ici, il est en train d'indiquer son dessein. Pourquoi il est là? Alléluia. Amen. Le rôle ou le but qu'il était venu, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons entendu des nouvelles, mais ça n'a jamais changé notre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Nous avons entendu des nouvelles. Quelqu'un te vient, commence à t'annoncer. À la fin, tu attends de recevoir une bonne nouvelle, mais ça ne change jamais ta vie. Celle qui peut changer ta vie s'appelle Yeshua HaMashiach. Celle qui peut changer ton avenir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque tu l'écoutes, ta vie ne reste pas le même. Amen. Lorsque tu l'écoutes, même si tu avais de lien, le lien brise. Lorsque tu le crois dans ton chemin, il change ton avenir. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous avons déjà expliqué beaucoup sur notre introduction. Et cet après-midi, je vais entrer directement dans notre prédication. Alléluia. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons honorer la parole de Dieu qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Du chapitre 2, du premier verset jusqu'à 13e. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Actes des Apôtres, premier verset. Premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 3, premier verset. Chapitre 3, vous avez dit chapitre 2. Pardon. Il devait être occupé. Amen. Il savait qu'il était équipé et il était conscient de son onction. C'est pour cela hier, je vous ai dit, lorsque vous savez qui vous êtes, personne ne peut jouer avec vous. Même si ça vient la journée, la nuit, mais lorsque vous savez ce que vous êtes, personne ne peut vous minimiser. Alléluia. Amen. Jésus savait. C'est pour cela que vous voyez, à un moment donné, il a dit à ses disciples de se regrouper quelque part, d'entendre d'abord quand ils seront. Voyons, il dit de s'enfermer quelque part jusqu'à tel point que l'Esprit reviendra. Alléluia. Jusqu'à tel point que l'Esprit reviendra, à ce moment-là qu'ils pouvaient sortir. Cela veut dire qu'ils attendaient d'abord être équipés. Quand ils n'étaient pas encore équipés, Jésus n'a pas exposé ses disciples. Ils attendaient d'abord être équipés afin qu'ils puissent sortir. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand ils étaient équipés, à un moment donné, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. C'était à l'heure de la prière. Alléluia. Amen. À ce qui concerne la prière chez les Juifs, ils respectent le temps de prier comme jamais. Que ce soit, ils ont une grande magasin, que ce soit, ils ont une grande société, même si vous avez venu à l'air de la prière, ils ne peuvent pas te vendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils avaient 3 heures à prier. Chez les Juifs, ils ont 3 heures ou 3 moments de prière. Le premier, c'est le matin à 9h. Alléluia. Et le deuxième, c'est l'après-midi. C'est qu'on dit 3 heures ou 15h. Et ils ont le troisième, c'est le coucher du soleil. Amen. 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 Mais la Bible dit, en ce moment-là, Pierre et Jean montaient ensemble pour aller prier. C'était à l'heure de la prière. C'était au 9e heure, cela veut dire à 9h. Et ma Bible me dit, il y avait un homme boité de naissance. Ce n'était pas qu'on l'a jeté, ce n'était pas qu'on l'a ramassé quelque part. Alléluia. Mais il était boité de naissance. Il est né avec ça.
Donc c'était un handicap qui le retenait de ne pas avancer, qui le retenait de ne pas aller plus haut. Ma Bible me dit, le monsieur ne marchait pas. Mais ce qui m'a tué, parce que c'était chaque, la Bible me dit, chaque jour, on le porta et on le plaça. Dites amen. Amen. Donc en lui-même, lui, il ne pouvait rien faire. Donc ils attendaient que les gens viennent pour l'apprêter le main. Par sa propre force, il était incapable, insuffisant. Ils attendaient que les gens puissent le dire. On le plaça tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, qu'il demandait le monde à ceux qui entraient dans le temple. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'on parle de le monde signifie offrir de l'argent à celui qui a nécessité. Celui qui nécessite de l'argent. Chez les Juifs, ils peuvent parler à l'église, mais quand ils arrivent et voient quelqu'un, ils demandent, c'est obligatoire. Ils sont obligés de donner. Pour eux, ils considèrent ça comme l'offrande. Amen. Ils étaient. Ma Bible me dit, si tu es sage, tu dois te mettre seulement devant la porte parce que c'était comme. C'était comme une piège d'entrer sans avoir donné celui qui est là. Alléluia. Amen. Alors le monsieur, il était sage et intelligent. On le plaça toujours là-bas pour demander le monde. Il est habitué de demander aux gens. Il est habitué de, chaque jour qu'il vienne là-bas pour demander. Parce que ma Bible me dit, cette porte, la Belle, était entrée favorite de beaucoup qui passaient par là pour aller prier. Et donner l'argent aux pauvres, c'était un acte louable dans le judaïsme. C'était l'usage pour un mendiant qui se met là pour demander dans cet endroit-là. Chez les Juifs, c'était un acte louable. Quand ils font ça, cela veut dire qu'ils voient qu'ils ont donné à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il était habitué de se mettre là pour demander. Et cet endroit s'était fréquenté de beaucoup de gens. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce monsieur, il était habitué de demander. Il était même devenu une référence pour les autres. Lorsque quelqu'un est perdu, on peut lui dire, va tout droit à ta gauche. Tu verras un monsieur qui demande des sous. Demande l'argent. Alléluia. Le Messie, il était devenu comme une référence pour les autres. Mais laisse-moi te dire, il y avait un jour, comme l'habitude, il était habitué de demander. Lorsqu'il vit Pierre et Jean arriver devant lui, il attendait d'eux de recevoir quelque chose comme l'habitude. Amen. On a l'habitude de demander à Dieu, mais Dieu ne nous donne pas comme nous nous demandons. Dieu nous donne ce qui est mieux que ce que nous nous demandons. Non, est-ce que vous m'avez compris? Dieu ne nous donne pas comme nous nous, nous demandons. Dieu nous donne mieux que ce que nous demandons. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens, ils étaient bien. Quand Dieu le bénit, les problèmes commencent. Manque de gérance. Il était bien avec sa femme, tout marchait bien. Au moment que Dieu le donne, tout change dans la maison. Tout change dans la famille. Tout change à l'église. C'est pour cela qu'il y a des gens, Dieu ne les donne pas parce qu'il a besoin de les garder encore. Quand tu demandes à Dieu, Dieu ne te donne pas, il a besoin encore de te garder. Parce qu'il sait, lui, là, si je ne les donne pas, c'est fini pour lui. Parce qu'on a beaucoup de gens qui priaient pendant qu'ils étaient en Afrique. Ben, ils arrivent à Boissy Charles de Gaulle et disent à sa foi, repose en paix. Il arrive à Zabétain, il dit à sa foi, repose en paix. Il y a des gens, ils demandent, mais Dieu ne donne pas parce que nous nous demandons. Il fait chaque bonne chose à son temps. Alléluia. Amen. Ma Bible me dit, Pierre et Jean fixa les yeux sur lui. Et lui, il attendait de recevoir quelque chose.
Pendant qu'il était en train d'attendre, ma Bible me dit, on lui donna ce qui était mieux que lui avait demandé. Amen. Il attendait recevoir l'argent, mais l'argent n'a jamais traité ses pieds. Il attendait recevoir l'argent, mais l'argent n'a jamais fait lui marcher. Il attendait avoir des sous, mais l'argent ne change jamais. L'argent amplifie ce que tu as déjà. Est-ce que vous m'avez compris? L'argent ne peut pas te changer, mais l'argent peut amplifier ce que tu es déjà. Mais ce jour-là, lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il attendait de recevoir quelque chose de mieux que ça. Mais Pierre et Jean regardaient ce monsieur. Et lui, il attendait peut-être prendre l'argent. Mais ce jour-là, il a dit, je n'ai ni l'argent, je n'ai ni l'or. Mais ce que j'ai, je te donne. C'est le nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. L'argent ne t'amplifie pas. L'or peut te faire brûler. Les gens peuvent te voir de loin parce que tu as mis des bijoux, tu as mis l'or. Mais avec l'argent, tu ne peux jamais acheter le pied. Si tu achèteras le pied, ça sera en plastique. Alléluia. Mais ce jour-là, ce monsieur, il attendait recevoir quelque chose de plus meilleur que ça. Mais ce jour-là, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Là où tout a échoué, le nom de Jésus n'échoue jamais. Cela veut dire que depuis qu'il était né, il n'a jamais marché. On le plaça toujours, on l'a ramené. Mais ce jour-là, il a raconté le nom qui change de situation. Bien, mais tu peux dire, moi je suis dans une famille comme ça, les choses ne marchent pas, les choses sont comme ça, mais lorsque tu as Jésus, tu peux changer les choses dans ta famille. Bien, mais tu peux être le premier à arrêter l'hémorragie dans ta famille. Le problème, il suffit d'avoir la foi. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais viennent avec le pensée, je vais écouter ce que j'avais écouté hier. Mais notre Dieu, il est le Dieu des travaux achevés. Il est le Dieu des multisystèmes. Si aujourd'hui il a fait ceci, demain il va changer le système. Vous pensez le monde change de téléphone? Appel change de iPhone 4, 5, 6, plus, moins, il part. Et Jésus reste le même. Mais avec la même méthode, sauve toujours le monde. Les gens veulent que les choses de Dieu changent aussi. Mais notre Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Mais lorsqu'il vient dans ton problème, lorsqu'il vient dans ta situation, il change tout. Ce qui bloquait ce monsieur, c'était son handicap. Alléluia. C'est son handicap qui le bloquait. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez savoir qu'on est en train de parler sur notre grand thème, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et notre sous-thème, c'est « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Est-ce que quelqu'un le comprend? Mais je suis venu dire à quelqu'un, tous on est là, bien habillés, on se sent à l'aise dans la présence de tout le monde. Mais je suis venu dire à quelqu'un, des fois quand nous restons seuls dans la chambre, ce que nous ressentons dans nos cœurs, c'est ce que nous sommes. Il y a des cœurs de gens qui pleurent, il y a des gens qui versent le larme des yeux. Ils se posent tant de questions à Dieu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est moi qui ai demandé de venir au monde? Mais ce soir, je t'apporte la bonne nouvelle. Jésus veut te guérir. Jésus veut guérir ton cœur. Il veut te guérir. Il veut te changer. Il veut te donner ce que tu cherches. Ce que tu n'as pas trouvé chez les hommes. Jésus a la possibilité de te donner. Ce que ton père ne t'a pas donné, Jésus a la raison de te donner. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme, il était habitué avec son handicap. J'imagine déjà chaque soir quand il demandait l'argent, celui qui l'apportait, il lui disait, je crois si tu ne me donnes pas demain, je ne dois pas t'apporter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est lui. Parce que la Bible dit, on le transporta, on le plaça. Cela veut dire qu'il n'était pas par sa propre force. Il attendait une aide humaine. Laisse-moi, je peux te dire, aide humaine peut s'arrêter. Mais l'aide supérieure de Yoshua Amashia ne s'arrête jamais. Quand Dieu te lève en dignité, même le président de la République te donnera l'importance. Alléluia. Le problème, c'est le nom de Jésus qui guérit. Ce qui est très important, nous devons savoir,
Lorsque Pierre et Jean le fixant le regard, et lui il attendait à recevoir quelque chose de lié. Comme il était habitué. Souvent nous venons à l'église, Zambé Bilisanga, Zambé Kangolanga, Nazwa, Nazwa. Peut-être que Dieu ne te voit pas dans ça. Dieu te voit dans les grandes choses. Alléluia. Alléluia. Dieu nous attend à toucher chacun de nous dans des endroits où, là où il a placé sa main. Vous savez, chaque guérison localise l'endroit. Alléluia. Parce que si ce jour-là, cet homme-là n'était pas sur la belle porte, oh, il voulait rater sa bénédiction. Mais ce jour-là, il me plaça au bon moment, au bon endroit. Alléluia. Dites-moi au bon moment, au bon endroit. Oh, je voulais dire à quelqu'un qui est au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Cet homme, il attendait à recevoir peut-être quelque chose ou l'argent. Mais ma Bible me dit, l'homme peut échouer, mais Dieu ne choue jamais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, la bénédiction de ces mendiants ou de ces boîtiers de naissance, il a été accompli par la puissance de Christ, agissant par l'intermédiaire de ses apôtres. Et voici Jésus-Christ qui avait dit à ses disciples à propos de ceux qui croiront en lui. Voici, je vous ai donné l'autorité. En réalité, en nous, nous avons l'autorité, mais nous manquons la manière ou la façon de l'utiliser. Vous savez, l'indicateur de ce médecin qui le bloquait de ne pas être en avant ou avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce Messie, il était illimité dans sa vie. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, celui qui peut te faire illimité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme peut te donner aujourd'hui, mais demain, il peut encore te redemander. Mais quand Dieu te donne, il te donne pour la vie éternelle. Ma Bible me dit, marchez selon l'Esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Cet homme, il était habitué, il était devenu une référence pour les autres. Mais laisse-moi te dire, celui qui guérit, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand il te guérit, il fait étonner tout le monde. Parce que tout le monde connaissait ta situation. Alors lui, il ne connaît pas ta situation parce que c'est lui qui t'a créé pour un but. Alors le but de Jésus, c'était que ce monsieur reste indiquant à un moment. Et quand il sera guéri, et le monde reconnaît qu'il y a un Dieu sur la terre. Il y a des situations qui lient ta vie aujourd'hui. C'est à toi de faire aussi les efforts. Dans la vie chrétienne, il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Pourquoi nous ne voyons pas de miracles ou de guérisons dans nos vies? Parce que nous attendons tout à Dieu. C'est comme si quelqu'un qui cherche le boulot, sans CV, sans rien, il reste à la maison. Dame, mettez ça dans le Seigneur, que je puisse avoir du boulot. Tu n'auras jamais du boulot. D'abord, le problème, il faut faire le CV, aller déposer et rappeler celui qui tient sur ton CV. C'est toute une démarche. Parce que le monsieur, pendant qu'il a vu Pierre et Jean, il attendait à recevoir de l'argent. Mais ma Bible me dit, on lui donnait ce qui était mieux que l'argent. Et l'argent, il pouvait manger, ça s'arrêtera, ça s'terminera. Mais le nom de Jésus ne s'arrête jamais. Là où les autres sont arrêtés, lorsque tu y as Jésus en toi, tu ne peux jamais arrêter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle de guérir, c'est la vécure, délivrer d'une maladie, d'un état ou d'un comportement qui est indicable. Alléluia. Guérir vient du mot guérison. Et la guérison, c'est l'action de guérir. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. La guérison qu'on est en train de parler ici, c'est aussi spirituel. Parce que Christ a dit guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque tu as des blessures intérieures en toi, tu ne peux jamais manifester Jésus en toi. Parce que tes blessures, ça te liera toujours. Avec tes blessures, tu te verras toujours, c'est comme si tu es le moindre des choses. Mais celui qui peut
guérir de blessures. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, lorsqu'il entre dans tes problèmes, il n'a pas besoin de demander ça, commencer comme ça. Mais lui, il arrive avec la solution. Oui, le monde aujourd'hui peut t'abandonner parce que tu deviens une charge. Mais lui qui t'a créé, il connaît ce qu'il a préparé mieux pour ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Vous savez, dans la vie, lorsque vous savez en vous, vous avez des problèmes au fond de votre cœur, même pour prier, ça devient difficile. Alléluia. Ça va vous empêcher. Si tu veux juste oser commencer à prier, ça commence à te rappeler. Alléluia. Donc cela veut dire que c'est un handicap qui te lie, qui te bloque de ne pas avancer. Quand tu gardes des problèmes, tu gardes des conflits dans ton cœur, c'est un handicap qui te bloque de ne pas avancer. Parce qu'à tout moment, tu deviens auprès de Jésus, parce que lui, il est saint. Il veut essayer de l'adorer, qu'on le donne en esprit et en vérité. Mais lorsque en vérité, tu sais que tu as des problèmes au fond de ton cœur, et cela, ça t'a bloqué. Alléluia. C'est pour cela que Christ a dit, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est arrivé un moment. Lorsque ce monsieur est guéri, il a vu Pierre et Jean entrer dans l'église. Et lui aussi, il entra. Ce qui était très important, Dieu aimait sa reconnaissance. Il commença à danser, à louer Dieu. Et tout le monde qui était là-bas dans la synagogue, on le voyait, mais c'est lui qui demandait le sou. Il y a un moment donné, quand tu rencontres Jésus face à face, ta vie change. Même si tu passes dans le marché, tout le monde te regardera. Il est où il était. Il faut le dire, exactement. Alléluia. Quand Dieu te visite, ça donne l'étonnement à tout le monde. Quand il entra, tout le monde se posa plein de questions. Il se demanda, c'est lui ou c'était pas lui? Alléluia. Mais c'était lui. À un moment donné, ça devient comme excès. Les gens se posent tant de questions, commencent à dire, ah, ils sont super. C'est comme nous voyons aujourd'hui, Téa, ou l'équipe Téa, ils ont besoin d'un fonction, Téa, ils ont besoin d'un dos, c'est ça. Et Pierre a eu le courage de leur dire, homme juif, ou homme israélite, arrêtez. Ce n'est pas nous qui l'ont guéri ce monsieur. C'est le même Jésus que vous l'avez crucifié. Alléluia. Pour leur dire tout ce que nous faisons afin que Jésus soit élevé. Nous avons quelques voies et des canaux que Dieu utilise. Que toute la gloire revienne à Dieu. C'est Dieu qui est le boss. Alors, à un moment donné, il s'est arrêté pour leur dire, ce n'est pas nous. Mais plutôt, c'est le même Jésus que vous l'avez crucifié. Pose la main sans avoir appelé au téléphone. Et le monsieur ou la femme est guéri en l'instant même. Les problèmes où nous arrivons, nous avons peur. Parce que pourquoi? Je regarde la vie comment tu as marché. Non, il faut appeler pasteur, il faut appeler ceci, cela. La Bible me dit, allez faire que toute la nation m'est d'ici. À ce temps de la fin, nous avons besoin d'apporter la bonne nouvelle aux ceux qui ne connaissent pas Dieu. Cela n'est pas de limite ou des rangs sociaux ou des rangs religieuses. C'est pour tout le monde. Lorsque toi tu es affermi, affermis les autres. La vie chrétienne, c'est une vie de l'intimité. C'est l'intimité avec Dieu. Dans l'intimité, il y a des choses qu'on n'explique pas à tout le monde. Mais dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'on n'explique pas à tout le monde. Je ressens ce que je sens pour Dieu. Alléluia. Cet homme, il était habitué, mais ce jour-là, sa vie a été changée. Bien aimé, je crois aussi ce soir, Dieu a la possibilité de changer ta vie. Oui, je crois, Dieu a la possibilité de te faire quelque chose du bien. Là où l'intelligence humaine est arrêtée, c'est là où Dieu commence. Dieu a besoin que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Là où nous arrivons, là où il n'y avait pas la paix, nous amenons son shalom. Son shalom, c'est la paix.
Tu arrives quelque part, il n'y avait pas la paix, mais comme toi, tu portes la paix de Jésus en toi. Lorsque tu arrives quelque part, il y a la paix. Change de mélodie. Amen. Cet homme, son handicap le bloquait. Il ne pouvait rien faire. Il dépend que de gens. Mais Dieu veut te guérir à cela. Non, je dis Dieu veut te guérir à cela. Il y a des gens qui ne peuvent même pas prendre la décision malgré dans la maison du mariage. Frère, madame, maman. Il faut que j'appelle mon frère, mon oncle. Non, 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 je ne prends pas de décision sans ma mère. Hein. Mais lorsque tu as Jésus, tu as l'Esprit de Dieu, tu deviens indépendant. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont jamais une indépendance spirituelle. Ils sont toujours liés avec le lien de leur famille. Ils se dépendent toujours des gens. Le souci ou le problème de Dieu est que nous soyons libres. Lorsque le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, il y a des moments, tu sens que tu as besoin de chercher la face de Dieu, mais il y a quelque chose qui te bloque dans le cœur. Bien aimé, ouvre ton cœur. Dis-lui, comme argile dans la main des potiers, fais de moi ce qui te plaît. Et lui, il connaît les vraies formes de ta vie. Si les hommes, ils ont échoué à un côté, lui ne joue jamais. Parce que ce Messie, il était habitué, on l'a ramené chaque jour, on le plaça. Mais le jour où il a rencontré Jésus, sa vie a été changée. Et même si vous rencontrez Jésus dans votre vie, et votre vie ne doit pas rester le même. Et même là où il passe, il laisse des traces. Un homme qui a rencontré Jésus, sa vie ne reste pas la même. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque vous avez des problèmes au fond de votre cœur, la Bible dit, errez ceux qui ont le cœur vil, car ils verront Dieu. Venir à l'église chaque jour, cela ne veut pas dire que tu connais Dieu. Prêcher, chanter, faire tout pour Dieu, cela ne veut pas dire que tu connais Dieu. Mais demeurer dans sa sainteté, dans la purification et la sanctification, et apporter une vraie nourriture que Dieu a dans son peuple, cela suffit. Somnole jamais. Même il y a des tempêtes, lorsque je dis merci, il se lève, il se calme les tempêtes de ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Cet homme n'avait plus soutien de gens. Parce que lui, son dernier espoir, c'était le Messie qui venait de le prendre et de le ramener. Mais ce soir, je veux que lui-même, Jésus, puisse entrer dans ton problème. Tu attends des familles, nous les autres, nous n'avons pas de famille bien à regarder pour attendre le soutien. Parce que mon soutien vient que de Dieu. Peut-être tu as une grande sœur, un grand frère, un député dans la famille. J'en ai pas, je n'ai que Jésus dans ma vie. Amen. Bien, mais qu'est-ce que tu attends de l'homme? Maudit celui qui se confie à l'homme. L'homme n'est que poussière. Vanité des vanités. Appuie-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ne te confie pas sur ta sagesse ou ton intelligence ou tes diplômes. Confie-toi à l'Éternel et il agira. Beaucoup de gens disent que je suis diplômé en droit. Je le bac plus 5. Je n'ai pas besoin de regarder quelqu'un. Je parle bien français. J'ai étudié à Sorbonne. Mais nous, nous n'avons pas étudié là-bas. Nous avons Jésus. Alléluia. Le monde faillit. Le diamant faillit. Le banque faillit. Mais le nom de Jésus ne se faillit jamais. Le nom de Jésus est infaillible. Le nom de Jésus ne peut jamais faillir. Dans le nom de Jésus, il n'y a pas les crises économiques. Quand les autres plairent des crises économiques, mais lorsque tu as Jésus en toi, la Bible dit quoi? Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas par le budget de la France.
Lorsque vous vous attendez le pitié, nous nous appuyons sur Jésus. Lorsque vous vous appuyez sur vos connaissances, nous nous appuyons sur Jésus. L'homme peut t'abandonner sur la cour des routes parce que tu deviens une charge pour lui. Mais Dieu là ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il a la possibilité de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Il a la possibilité de guérir la maladie déclarée incurable. Il a la possibilité de ramener la solution même à 0h45. Même le téléphone de ton cœur ne passe plus. Mais quand il arrive, il touche ton corps, il te lève toi et marche. Il ramène la bonne nouvelle. Là où les hommes sont échoués, Jésus ne joue jamais. C'est pour cela dans ma vie, le bon héritage que j'ai, je ne veux que Jésus. Cet homme n'avait plus personne. Mais je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, Jésus est là. Le problème, c'est nos cœurs. Si je vais prier, lui va me voir que j'ai prié. J'ai vu des gens élevés, des hommes comme nous, chanter pour eux. Mais aujourd'hui, ils sont où? Dans le tombeau. Mais celui que je lève, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il a été ressuscité. Il ne meurt jamais. La terre n'a pas pu supporter. La terre a crié. Il a dit, je ne te supporte pas. Vous savez pourquoi? Parce que les créatures ne peuvent pas supporter le poids des créateurs. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Les créatures ne peuvent pas supporter le poids des créateurs. Amen. Parce que c'est lui qui a tout créé. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Gloria à Dieu. Lo sambo na mai kolo yo kai golela na mai awe yo kai Nazo sema na yo, loboko na yo, zala nangai. Bali mite nangai, ekwe ya e, makambo ebongwa e, ebongwa e, nalonga e, zambe nalonga e, nalonga e. Nalongai, Zambalu, Zembaye, Nalongai. Salama Nalongai, Zambé Nalongai, Nalongai. Silamo Ete, 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 Chéria Moussi. Ngaï Balongangai. Il y a la présence de Dieu. Je sens fortement la présence de Dieu. Roboshayababoshi. Yeroboshayababoshi. Yerakababoshayababoshi. Les mains de son prodakababoshi. Yeroboshayababoshi. Reboshayababoshi. Les bras babouchi. Est-ce que tu peux commencer à prier à l'esprit maintenant? Tu peux commencer à l'esprit? Tu peux commencer à prier à l'esprit? Tu peux monter?